Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition de direct pour ce mardi 26 janvier 2021. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à la situation économique en Égypte. Et on va commencer par deux reportages concernant l'anniversaire de la police, le 69e anniversaire de la police. Une occasion bien entendu importante pour tous les Égyptiens. Et à cette occasion, nous tenons bien entendu à présenter toutes nos condoléances à toutes les familles des martyrs. Et nous voulons aussi leur véhiculer le message que nous les apprécions leur sacrifice. Et si nous sommes là en sécurité aujourd'hui, c'est bien entendu grâce à eux. Donc le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu à participer hier au 69e anniversaire de la police, et cela au siège de l'Académie de police. L'hymne national a été entonné à l'arrivée du président, qui a déposé une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs de la police et salué les membres du Conseil suprême de la police. Un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que ce 69e anniversaire de la fête de la police marquait la commémoration d'un événement qui nous est tous cher et qui est de celui de la glorieuse bataille d'Esmaïlia en 1952, ayant illustré l'héroïsme des forces de police et les valeurs de sacrifice pour défendre le sol national. Le président a appelé la police et l'armée à rester vigilantes et à poursuivre leurs efforts face aux tentatives de déstabiliser le pays ou de s'en prendre aux acquis du peuple égyptien. Le chef de l'État a tenu à rappeler que la stabilité dont jouit actuellement l'Égypte, malgré les défis multiples, était l'incarnation de la volonté inébranlable de l'État et du grand peuple d'Égypte et le fruit des sacrifices consentis par les hommes de la police et de l'armée pour combattre le terrorisme. Sur un autre plan, le chef de l'État a évoqué les efforts déployés par l'État en vue de développer le pays. Selon lui, l'État a mobilisé les moyens nécessaires pour mettre en œuvre le projet de développement des zones rurales, ciblant 3500 villages. Le projet de développement des villages lancé par le gouvernement représente un grand défi car il touche à la vie de 55 millions d'Égyptiens et nous souhaitons qu'une fois achevé, nous ayons réussi à développer ces régions, a souligné le président. Nous allons agir de manière à améliorer la situation de nos concitoyens dans chaque parcelle de nos zones rurales. Et l'État a mobilisé tous les moyens requis pour ce faire, mais le défi qui restera à relever sera de finaliser ce projet dans les délais, a-t-il poursuivi. Jugeant que des opportunités se présentaient à l'industrie nationale pour participer à la modernisation des zones rurales, le chef de l'État a indiqué que le secteur de l'électricité avait à lui seul besoin de 70 milliards de livres égyptiennes, prélevés sur un budget total de 500 milliards de livres égyptiennes pour moderniser tous les secteurs, à savoir la santé, l'électricité ou l'assainissement de l'eau. Le président a appelé les propriétaires des usines à contribuer à ce projet qui permet à booster l'industrie nationale pour les trois prochaines années, soulignant que celui-ci n'était pas limité aux entreprises de bâtiments privés et publics, mais associait aussi tous les secteurs de l'État qui sont invités à y participer. Aussi, dans son discours, le président Abdel Fattah al-Sisi, à l'occasion marquant le 69e anniversaire de la fête de la police au siège de l'Académie de police, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que cette journée marquait un cher souvenir au registre du patriotisme égyptien. Le chef de l'État a appelé armée et police à rester vigilantes face aux tentatives de déstabilisation du pays. Un commentaire.
Le président Abdel Fattah el-Sissi s'est rendu hier au siège de l'Académie de police au Nouveau-Caire. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Taoufik, était à l'accueil du chef de l'État à son arrivée à l'Académie de police où s'est déroulée la cérémonie, marquant le 69e anniversaire de la fête de la police. Ont assisté à la cérémonie le Premier ministre Dr Mustapha Madbouli, le président de la Chambre de députés, Hanaf el-Gebeli, et bon nombre de ministres et de hauts responsables. Le chef de l'État a mis à l'honneur les martyrs de la police lors de la cérémonie. Il a décerné des médailles d'excellence de la République et du mérite aux familles des martyrs qui étaient présentes à la cérémonie. Le ministre de l'Intérieur a souligné que l'objectif des politiques sécuritaires contemporaines est de faire prévaloir les intérêts de la patrie et de protéger la vie du développement et de la démocratie. Partons de la pleine conviction du ministère que le concept global de sécurité nationale est devenu une garantie fondamentale du soutien aux éléments de stabilité de l'État. À cette occasion, M. Taoufik a fait état des plans du ministère dont les axes principaux se basent sur la lutte contre le terrorisme et les efforts déployés par la police et l'armée pour traquer les organisations terroristes. Lors de la cérémonie, un documentaire a été projeté exposant les réalisations du ministère de l'Intérieur en 2020 et les frappes menées contre les foyers terroristes, dont particulièrement l'arrestation de Mahmoud Aizat, l'un des chefs de file de la confrérie terroriste des Frères. تشكيل عصابي بيروج لسلاح مهرب. احنا رصدين بعض خطوط التهريب ونحاول. Passons à présent à notre sujet de débat aujourd'hui qui est la situation économique en Égypte. Commençons par cette allocution télévisée à l'occasion du 60e anniversaire de l'Organisation de coopération et de développement économique. Le président Abdel Fattah el-Sissi a dit que l'Égypte appréciait le rôle éminent de l'organisation sur le plan bilatéral, ainsi que ses contributions à l'élaboration de politiques économiques et de développement à l'échelon international. Le chef de l'État a souligné que face aux crises, le monde a fait face. En 2020, l'OCDE avait positivement contribué à la conception d'une mobilisation internationale. Voici plus de détails dans cette allocution du président. L'Égypte apprécie profondément le rôle imminent de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, sur le plan bilatéral et ses contributions à l'élaboration de politiques économiques et développementales à l'échelon international afin de concrétiser le slogan choisi par ses États membres de meilleure politique pour une vie meilleure, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sissi dans une allocution télévisée à l'occasion du 60e anniversaire de l'organisation. L'année 2020 a été marquée par de nombreux défis difficiles et par les répercussions négatives de l'épidémie du coronavirus
qui ont changé le monde et qui ont renforcé la transformation numérique et fait progresser les politiques développementales durables de sorte à favoriser une reprise globale rapide, selon le président. Ces crises consolident le rôle de l'OCDE, forte d'une expérience de 60 ans dans le domaine de l'action multilatérale et dans la mise au point de politiques tenant compte de la transparence et de la gouvernance et en phase avec le progrès du temps et les exigences de l'économie mondiale et sa capacité. Selon le chef de l'État, l'OCDE a positivement contribué à la conception d'une mobilisation internationale face aux conséquences de cette crise mondiale inédite et à œuvrer pour une solidarité afin d'en alléger le fardeau pesant autant sur les États développés que ceux en développement. M. Assisi a affirmé que l'Égypte entretenait avec l'organisation de solides relations de coopération. Elle fait partie de différents comités de l'OCDE et est le premier pays arabe et africain membre à part entière de son centre de développement depuis 2008, a poursuivi le président. Il a indiqué que la coopération bilatérale avait connu une nouvelle étape par l'adhésion de l'Égypte en 2019 au mécanisme des programmes régionaux de l'OCDE, a fait savoir le président, saluant le progrès réalisé sur ce volet via le choix des meilleurs champs d'action susceptibles de contribuer à l'exécution du programme national de réforme économique et sociale, notamment ceux relatifs à l'amélioration du climat d'investissement, au renforcement de la transparence, à la lutte contre la corruption et à l'autonomisation de la femme et des jeunes. Le président a insisté sur le fait que l'Égypte désirait affermir la coopération avec l'OCDE pour l'intérêt des deux parties. Et pour parler plus de cela, plus en détail, nous avons Dr Amr Saleh, économiste, en ligne. Bonsoir docteur. Dr Amr, vous m'entendez? Dr Amr Saleh, est-ce que vous m'entendez? Oui, Nermi, je vous entends très bien. Très bien. Donc, on voulait parler tout d'abord, comme on a pu le voir dans le discours du président, le président Abdel Fattah Sissi salue le rôle de l'OCDE dans, bien entendu, les politiques économiques. Nous, en tant qu'Égyptiens ou en tant qu'Égypte, comment est-ce que cela pourrait nous affecter et de quelle manière? Vous savez que l'OCDE, l'Europe, est un partenaire, a été toujours le partenaire idéal de l'Égypte dans le processus de développement économique. Il faut dire que l'Égypte, plutôt que l'OCDE, a toujours soutenu l'Égypte dans ses réformes économiques, et sociales. L'histoire de cette coopération est très ancienne. Elle date des années 50 et 60 même, 60 et 70, lorsque il y a eu des échanges de coopération technique et scientifique entre l'Égypte et l'Europe. Et aussi, vous savez, Nermine, il faut dire que l'Égypte, je crois qu'elle a été toujours le partenaire, le plus grand partenaire idéal de l'Europe dans le monde arabe et en Afrique. Vous savez que l'Égypte a joué un rôle très important dans la coopération avec l'Europe, notamment dans le domaine de l'immigration clandestine de l'Afrique vers l'Europe. Et l'Égypte et le président Fattah el-Sisi, dès l'arrivée au pouvoir du président Fattah el-Sisi, ça a été l'un des dossiers très importants en négociation entre les deux partenaires. Et l'Égypte avait joué un rôle primordial, très efficace, que beaucoup de pays n'avaient pas pu jouer, et l'Europe avait salué ce rôle tranchant et efficace dans ce domaine. L'Égypte a été un partenaire idéal avec l'Europe. Vous savez, dans le dossier libyen, sur la base de paramètres d'accords politiques et sur la base de départ des forces étrangères et aussi de la paix dans la Méditerranée. L'Égypte aussi a été un partenaire dans la création de cette zone de stabilité économique, politique, concernant le dossier du gaz naturel, dans l'est de la Méditerranée. L'Égypte aussi avait joué un rôle très important, très récemment, dans ce fléau du Covid-19,
lors des échanges techniques, scientifiques et de coopération d'information entre les deux partenaires. Et on se souvient toujours de cette visite très importante, je dirais cette visite de sagesse du président Fattah el-Sissi très récemment en France, ses rencontres avec, non seulement avec le président Macron, d'ailleurs, pour ne pas oublier, ça me revient à l'esprit, l'Europe a toujours salué cet islam modéré que l'Égypte, je ne dirais pas, voudrait exporter, mais que l'Égypte voudrait transposer en Europe. Depuis très longtemps, vous savez, Hermine, moi personnellement, j'ai fait des études en France, j'ai vécu en France dans les années 90, et dès les années 90, à partir des années 90, la France parlait d'un islam modéré, et parlait d'un islam de France. C'est vrai que la France a toujours appelé à un islam de France et nous avons appelé à toujours un islam modéré. Et donc les deux visions des deux pays coïncident et l'Égypte, je vous disais, j'ai vécu en France et à l'époque, l'Égypte envoyait des imams égyptiens en France lors des manifestations religieuses pour prêcher cet islam modéré. Et donc l'Europe salue dans l'Égypte cette perspective, ces actes pour la propagation d'un islam modéré que l'Europe a besoin plus que le monde musulman, à mon avis. Et donc, pour revenir à cette visite de sagesse, comme je disais, du président Fattah el-Sissi en France, et puis le soutien qu'il avait reçu, non seulement des médias, moi j'avais personnellement suivi, non seulement des médias français, mais des médias européens, de ce président d'un pays arabe, le plus grand pays arabe, le plus grand pays africain, l'un des plus grands pays musulmans, qui avait aussi soulevé cette question de durabilité économique, développement économique, dans le cadre de caractéristiques et de particularités culturelles et religieuses, appel qui avait été très très bien accueilli avec une grande sagesse. Et vous n'avez peut-être pas contrarié, mais vous sonnez la mine que il y a eu cette tollée colère, parfois due à une mauvaise incompréhension du monde musulman, mais aussi de la mentalité française et européenne, lors de l'incident qui avait visé le professeur français, cet triste incident. Mmh. Et puis le président Macron avait, lors de cette visite du président Fattah el-Sissi, avait présenté ses excuses que le monde musulman attendait depuis longtemps. Et je l'avais dit à plusieurs reprises sur le Night TV Nermin que cette sagesse, cette entente qui se trouve entre le président Fattah el-Sissi et le président Macron, qui se trouve d'ailleurs entre le président Fattah el-Sissi et plusieurs dirigeants européens, Angela Merkel, par exemple, les dirigeants italiens, même après cette divergence, après l'incident de Ruggini, qui avait un peu soulevé un peu d'encre sur les relations entre l'Égypte et l'Italie, mais très rapidement, l'Égypte a su gérer ces malentendus et aussi des conflits qui, à mon avis, sont dessinés et perpétrés par des institutions ou des pays étrangers qui, dans leur objectif, une mésentente entre le monde musulman, le monde arabe et l'Europe et l'Égypte fait partie de leurs intérêts. Et donc, pour revenir à votre question de départ, oui, l'Égypte salue les efforts de l'Union européenne, de l'OCDE. L'OCDE a toujours été un partenaire idéal. Et un point de remarque, Nermine, et ça c'est très important à le dire, lors du programme de processus de réforme économique qui avait été amené qui avait commencé en 2015-2016, beaucoup d'institutions financières internationales n'étaient pas
en accord et avaient des doutes sur ce programme de réforme économique. Beaucoup de pays européens, et l'OCDE en particulier, avaient été l'un des partenaires qui avaient soutenu ce processus et qui avaient reçu le président Abdel Fattah el-Sissi comme un dirigeant arabe, contrairement à ce que beaucoup de pays avaient soulevé. Et donc le discours et l'appel et ce message de paix, de fraternité, de merci et de reconnaissance à l'Union européenne intervient dans des circonstances très favorables et dans un contexte très favorable de coopération qui avait toujours existé. Et aussi, encore un grand merci pour l'Union européenne pour ses positions justes, je dirais fraternelles et son soutien inconditionnel pour l'Égypte. Mmh. Bon, si on revient à l'économie égyptienne, bien entendu, à partir de 2011, l'économie égyptienne avait subi des années difficiles avec certaines réformes, avec certains décrets, avec de nouvelles lois. Notre économie, aujourd'hui, elle reprend bien son souffle. Et malgré l'affaiblissement de l'économie partout dans le monde l'année dernière à cause du coronavirus, on a vu quand même que l'Égypte n'a pas tellement été affectée. Avec cette deuxième vague du Covid-19 qui va encore continuer à affaiblir l'économie, est-ce que cela va se refléter sur notre économie ? Ça va se refléter sur notre économie, mais ça va aussi pour... clôturer avec le dossier de l'Union européenne, ça va se refléter aussi sur le respect nous avons aux yeux des Européens et des institutions financières internationales. C'est vrai que l'Égypte c'est le hasard des choses, hein, on était tombé, et je dirais on avait connu une chute libre dans l'économie égyptienne après avoir enregistré à la fin de 2011 un taux de croissance vraiment catastrophique, c'était chaotique, un taux de croissance de 1,8, pour revenir de très loin en 2019 et puis réaliser un taux de croissance de 6,5%, et on avait un espoir, avant le Covid-19, d'aller au-delà des 7% et de 8%. Donc, on est parti, pour revenir encore sur les chiffres, on était parti de 1,8% pour arriver à 6,5%, pour arriver à être l'un des seuls des rares pays, des 18 pays, à réaliser un taux de croissance positif à la fin de l'année de 2020, et l'unique pays, le seul pays au Proche-Orient et dans la région MENA, a enregistré un taux de croissance positif, alors que tous les pays avaient enregistré et enregistreraient des taux de croissance négatifs. Mmh. Et ça, c'est dû au programme de réforme économique, un programme très courageux. Et je vous disais, Nermine, vous vous souvenez si ma mémoire est bonne, Christine Lagarde, la présidente du FMI, en 2012, 13, 14, je crois, avait des propos assez négatifs vis-à-vis de l'Égypte. La même dame, juste avant de quitter son poste, avait dit que l'Égypte était un modèle, un success story, et que la Banque mondiale, ou les FMI plutôt, et les institutions financières internationales seraient très intéressées de savoir comment l'Égypte avait réalisé cet exploit et revenir de très loin. On a chuté dans la croissance économique, on avait chuté dans les devises étrangères qui avaient atteint à peu près 11,7 milliards de livres égyptiennes, et puis on est remonté en 2019 à un plafond de 47 milliards, de 11 à 47 milliards de livres égyptiennes, une chute de l'inflation qui avait atteint, après la révolution, qui avait atteint 50, 60 et 80%, c'était des moments, on se souvient toujours, c'était des moments très difficiles pour l'Égypte, pour arriver à un taux de croissance et une inflation très modérée. L'emploi, on avait un taux d'emploi de 14 et 15%, là on est à 7,8% grâce au projet, au grand projet
Et je vois sur la télévision, là, vous voyez les grands projets que le président Fattah el-Sissi avait inaugurés. Ces grands projets avaient créé énormément d'emplois, 5 millions d'emplois en quelques années. C'est énorme. Je vais vous demander, par contre, quel pays dans le monde, vous avez les chiffres devant vous, quel pays au monde pourrait créer 5 millions d'emplois en quelques années. C'est un exploit extraordinaire. Mmh. C'est grâce au programme de réforme économique, grâce à une politique restreinte de restrictions économiques, grâce à un soutien au secteur d'exportation égyptienne qui avait doublé et redoublé ses exportations avec une augmentation de 25% au cours des 5 dernières années, et puis aussi avec ces subventions et ces aides et ces mises et petites moyennes entreprises, mais aussi à un grand nombre de projets et d'infrastructures qui avaient permis la relance de l'économie égyptienne et la création d'emplois. Car sans des infrastructures, je ne crois pas qu'un pays pourrait réaliser un tel taux de croissance record, je dirais. Mmh. Mais en plus de tous ces facteurs que vous venez d'évoquer, je pense quand même que le facteur des Égyptiens, même de nos ressources humaines, est un facteur quand même qui a beaucoup joué dans cet élan économique. Je vous remercie pour cette question. Je vous remercie pour cette question car en économie politique, ce qu'on appelle le consultative process ou le processus de consultation et je dirais d'accord social, cette unanimité sociale est très importante dans des processus de réforme économique. Vous vous souvenez, en 2015-2016, le mot d'ordre lancé par le président Fattah el-Sissi aux Égyptiens, c'était de s'unir autour d'un programme de réforme économique et le président avait dit très clairement, sans cacher, que nos jours seraient difficiles et qu'on attend des processus très difficiles et que nous devons payer un prix. C'est un prix que nous devons payer et que les réformes seraient dures et difficiles. Et le président Fattah el-Sissi avait parié sur, je dirais, entre guillemets, l'audace des Égyptiens, mais aussi cette volonté du peuple égyptien de vivre encore une fois et de survivre et de reconstruire le pays après les événements de 2011. Et je crois que le pari avait été gagné quand vous chutez de 1,8% et puis vous relancez votre économie pour atteindre un taux au-delà du 6%, vous avez réussi. C'est vrai que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Mais on est revenu de très loin pour créer des emplois et puis atteindre ce taux d'exportation et des investissements étrangers et puis surtout la création d'emplois pour une jeunesse qui grandit. Vous savez, vous avez un million de nouveaux entrants. L'Égypte est un pays jeune. Et vous avez un million de nouveaux entrants sur le marché de travail chaque année. C'est énorme. Donc vous avez besoin donc de créer un million d'emplois par an et vous avez besoin de créer plus d'un million d'emplois pour absorber aussi le taux de chômage qui existe. Donc c'est un pari très difficile, mais c'est un pari, à mon avis, c'est un pari réussi. Et l'Égypte, avec son programme de réforme économique, et vous n'allez peut-être pas me contrarier, mais nous avons été l'un des pays qui avait énormément réussi à traverser des phases très difficiles cours du fléau du Covid-19. Beaucoup de pays ont échoué. Nous avons bien travaillé, nous avons bien fait. Bon, selon les analystes et les économistes, pour les prévisions concernant l'Égypte,
nous serons parmi les 20 économies les plus fortes durant les 10 prochaines années si nous continuons à ce rythme. Est-ce que vous êtes d'accord? Juste une petite remarque, nous serons parmi les économies les plus dynamiques, les plus en croissance économique, oui, oui, parce que nous avons créé un taux de croissance de 6,5% et c'est un taux, et encore je l'ai dit, les chiffres sont devant nous, c'est un taux qui coïncide avec le taux de la Chine, par exemple, au cours des 3-4 dernières années. C'est vrai que nous ne sommes pas la Chine, mais nous avons, ce que j'explique à nos étudiants, nous sommes allés très vite, nous sommes allés plus vite que nous le croyons. Mmh. Et donc, nous serons parmi les 20 pays les plus dynamiques, car nous l'étions au cours des 4 ou 5 dernières années aussi. Et aussi, Nermine, vous savez, avec les infrastructures que nous avons et que nous continuons, pas seulement que nous avons, mais que nous continuons chaque jour de construire, nous établissons une base très importante pour la relance de l'économie. Nous sommes un pays jeune, nous sommes un pays de 100 et quelques millions d'habitants, nous sommes au cœur du monde, nous sommes dans le cœur de l'Afrique, dans le cœur du monde arabe, à des points du monde musulman, et donc, puis avec l'Europe et nos relations exemplaires, et puis aussi avec cette sagesse de la part du président Fattah al-Sissi et ce respect international que l'homme avait reçu au cours de ses visites. On se souvient de ses visites en Allemagne, en France, en Italie, l'Union européenne. Beaucoup de pays dans l'Union européenne ont salué les pas que l'Égypte avait franchis là actuellement pour revenir un peu aux actualités sportives. Nous avons la Coupe du Monde dans le handball et donc c'est un événement que beaucoup de pays auraient voulu avoir. Donc je vous pose la question, quel pays aurait pu cette audace et je dirais cette austérité de réaliser un tel coup de monde dans des conditions très difficiles, hein, de COVID-19. Et donc, nous avons des exploits, et je crois, pour revenir à votre question, que oui, nous continuerons à être parmi les pays les plus dynamiques. Si nous continuons, je crois que nous allons continuer dans ce même trajectoire. Mmh. Bon, l'un des pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui a beaucoup bénéficié aussi de cette crise du Covid-19, bien qu'il était bien affecté, c'est la Chine. Qu'est-ce qui a rendu son économie aussi solide et qui a pu conserver son taux de croissance? Et aussi, quels sont les facteurs derrière l'épanouissement de cette économie? Une question très importante. La Chine, et sans traduire le texte, applique ce que nous avons dans le Coran. La Chine est un pays qui travaille. Et donc, pour ne pas traduire le verset, mais le sens du verset veut dire que travailler, pour récolter les fruits de ce travail. Voilà. Et que Dieu récompense. Bénisse le travail. C'est le principe de la Chine. Tous les experts et moi et ceux qui ont visité la Chine, vous avez une société, une armée qui travaille tout le temps. C'est une armée, ce n'est pas une population. Donc c'est le travail et le travail et le travail. Et la Chine, comme les pays asiatiques, pour eux, le travail est un des sacrés. C'est sacré, les gens travaillent, c'est des populations qui ne regardent pas derrière eux,
n'ont pas d'obstacles, des populations très dynamiques. La Chine est aussi, la Chine sait aussi, et ça c'est très important, qu'elle est en guerre. Elle est en guerre économique, elle est en guerre politique, elle est en guerre culturelle avec les États-Unis et l'Europe. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, la guerre de l'opium est un exemple de ce que la Chine pouvait subir si elle s'affaiblit. Donc la Chine, cette société chinoise, qui était une société guerrière, je dirais, depuis le début des temps, son exploit réside dans le mot d'ordre qui est celui du travail et puis aussi du système. C'est-à-dire qu'un système très rigoureux et donc la Chine, avec cette machine chinoise les États-Unis est incapable à décapiter. C'est une machine incroyable. Donc le travail, c'est le mot d'ordre de l'économie chinoise. Une économie très agressive, une société très agressive, une société guerrière. Et donc ce modèle se transforme dont toute la société, qu'on parle de l'économie ou qu'on parle du domaine politique et ou culturel. Vous avez vu le conflit entre Huawei et les Américains, les réseaux G5, cette guerre sur le réseau G5, l'Europe, et je crois que les États-Unis sont incapables à revenir en arrière. Les Chinois sont des casse-têtes pour les Américains. Et donc, pour revenir à votre question, la Chine est un modèle réussi parce que c'est une société non de consommation, mais c'est plutôt une société de production. Mmh. Et c'est le mot d'ordre qui existe en Chine. Mmh. Docteur Amr Saleh, vous êtes expert en économie. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.